Bonjour à tous, ici Dialbreak Style. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'une coque pour iPhone 6 de 4,7 pouces. On va commencer par déballer la coque de protection pour iPhone 6. L'emballage de cette coque de protection s'ouvre par le haut. Voilà ce qu'elle donne à première vue dans les mains dès qu'on vient juste de l'ouvrir. Donc c'est plutôt impressionnant la première fois dès qu'on prend cette coque d'iPhone 6 4,7 pouces dans les mains parce qu'elle est vraiment grande. Je vais vous montrer les emplacements des boutons. On a le bouton plus et moins pour le volume. En bas, on aura le lightning, la prise jack ainsi que les haut-parleurs. Là, le bouton power pour déverrouiller, verrouiller votre appareil. Et là, la caméra ainsi que le flash. Voici une comparaison entre les deux tailles d'écran de l'iPhone 5 et de l'iPhone 6. Pour l'iPhone 5, c'est 4 pouces et pour l'iPhone 6, c'est 4,7 pouces. Voici une comparaison entre les dimensions de l'iPhone 5, 5S, comparée à celle de l'iPhone 6. Je vais mettre mon iPhone 5 dans la coque de protection pour iPhone 6 et là vous voyez que l'iPhone 5 se fait tout petit comparé à cette coque d'iPhone 6 qui est vraiment énorme. Donc vraiment l'iPhone 6 va être énorme, je vous le dis, hein, dès qu'on le prend en main, c'est hyper impressionnant. Je vais utiliser la coque d'iPhone 6 comme si j'utilisais un iPhone 6 dans les mains. Par rapport au test du pouce, vous voyez, j'arrive pas à aller juste à l'autre bout de l'écran. Là, j'arrive seulement au bouton de volume moins. Le bouton power a changé de place, il se trouve maintenant en haut à droite. Et vous pouvez déverrouiller votre iPhone avec votre index, ce qui est plutôt intuitif. Maintenant, je fais le test avec ma main droite et vous voyez que mon pouce touche directement le bouton pour déverrouiller, ce qui est encore plutôt intuitif parce que maintenant, c'est directement avec votre pouce. Donc Apple a encore travaillé tout cela, mais le test du pouce où je peux pas arriver jusqu'au haut n'est pas concluant. Pour l'instant, c'est la seule chose que j'aime vraiment pas sur la nouvelle taille d'écran de l'iPhone 6 de 4,7 pouces. Mais si je l'achèterai à sa sortie, je pense que je vais m'habituer. Si vous souhaitez vous procurer la coque de protection pour iPhone 6 de 4,7 pouces que je viens de vous présenter, le lien se trouve dans la description. L'iPhone 6 serait présenté au mois de septembre ou même octobre. On n'a pas de date officielle, mais il y aurait deux modèles. Un de 4,7 pouces dont je vous ai présenté la coque pour ce modèle et un de 5,5 pouces. La vidéo se termine, c'était Dialbreak Style pour vous tester une coque de protection pour iPhone 6 de 4,7 pouces. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter. Et très important, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ce qui vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos. C'était Dialbreak Style et moi je vous dis à la prochaine.